Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur palom.org. Alors nous sommes au petit matin, je parle pas très fort, parce qu'en fait je suis monté sur le Mirador. Et hier soir, quand je suis rentré de Battu, j'ai vu qu'il y avait un groupe de sangliers qui avait vermillé le long du chemin. Alors je me dis qu'il doit être dans le secteur, pas très loin, enfin, je l'espère, parce qu'un sanglier ça fait pas mal de route la nuit. Et donc je suis monté au Mirador numéro 2. Et je ne vous cache pas que je me gèle. Voilà. Alors j'ai pris la Bergara. Voilà. Alors elle est en calibre 308. Et puis j'ai pris 4 balles. Il y en a une dans la Bergara et 3. Voilà, c'est pas la peine d'en avoir davantage. En général, c'est une cible. Une balle. Alors bon, c'est mois de janvier, c'est janvier-février, c'est les meilleurs moments pour chasser au Mirador. Là il fait froid, comme je vous dis, il fait moins 2. Hier je ne serais pas monté sur le Mirador parce qu'il faisait moins 7. J'ai resté pendant une petite demi-heure, puis on va voir ce que ça, ou 40 minutes, si je peux résister au froid. Puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais vous savez, quand on chasse au Mirador, c'est il faut avoir un peu de chance, comme on dit, c'est un peu la loterie, voilà. Allez, et bien écoutez, à un peu plus tard. Putain, il y a 4 sangliers qui sont venus. 3 que je voyais, et un qui est descendu dans la barricouille à droite, que je voyais pas. J'ai tiré. Ils sont petits, c'est pas des gros. J'ai tiré. Sont tous partis. Celui que j'ai tiré, il est parti en direction du ruisseau. Mais le principe, il est simple. J'ai entendu un râle, mais le principe, il faut pas, une fois qu'on a tiré au Mirador, surtout, il faut pas bouger. Il faut attendre 5-10 minutes, à peu près. Parce que dans 10% des cas, on peut avoir la surprise que ces cochons, que des cochons reviennent, et on peut en tirer un autre. Voilà. Bon, là, c'était des petits cochons. Le quatrième, je ne l'ai pas vu. Et c'était 3 petits, c'est des cochons aux alentours de 25-30 kilos, pas plus. Alors je ne vais pas bouger, puis après je vais aller voir. Parce que là, il est sorti de celui que j'ai tiré, est sorti de mon cadre de visu. Et je l'ai tiré à la bouche. Je vais vous montrer après où est-ce que je l'ai tiré. Voilà. Mais j'ai entendu un râle, donc il ne doit pas être bien loin. Je n'ai pas entendu traverser le ruisseau. On va voir. Allez, à tout à l'heure. Bon. Voici mon axe de tir. Vous voyez? Et en fait, les sangliers, ils étaient pas loin. Ils étaient là, à droite. Ils ont dû passer une partie de la nuit là, à droite. Et ils sont sortis pour venir à la bouge en bas. Donc voilà. Donc je l'ai tiré comme un œuf sur le jet d'eau. Et après, on va voir ce que ça donne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas resté net. Même avec le calibre 308, en principe, il reste sur place. Voilà. Bon, allez, on va aller le chercher. Et voilà, j'ai retrouvé le sanglier que j'ai tiré. Je suis très content. Voilà, donc c'est à peu près un engin qui fait 30 kilos. Alors, je suis très content parce que là j'ai vraiment eu, vous voyez, la loterie a été bonne pour moi et le fait que j'ai vu qu'ils avaient nettoyé, enfin vermillé autour du chemin, eh bien en fait c'est les sangliers qui étaient pas loin. En fait ils étaient positionnés à une cinquantaine de mètres du Mirador dans la pente, dans la varicouille, et ils sont venus ce matin. Voilà. Bon, j'ai de la chance. C'est toujours, mais ça fait toujours plaisir parce que je suis récompensé de mes travaux sur le Mirador. Bon, alors maintenant, c'est pas tout. On a le sanglier, très bien, mais il va falloir le dépiauter. Voilà. Allez, on va le monter. Je vais le monter, vous voyez. Je fais le système. Hop. Crac. Et c'est parti, mon kiki. Alors. Et voilà.
Il est à bonne hauteur. Il est à bonne hauteur. Et maintenant, il va falloir le dépiauter. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Voilà. Puis là, je vais utiliser ce coup-ci. Hein. Un couteau que m'a offert très gentiment le garde, mon ami Jean-Baptiste. Voilà, et on va tester ce couteau au dépeçage. Voilà. Allez, on va commencer. Alors maintenant qu'il est pendu, on va faire quand même un petit contrôle de tir. Vous voyez, la balle, elle est là. Donc elle est bien placée, mais ça n'a pas empêché ce petit sanglier de faire 60 mètres avant de s'écrouler. Voilà. Mais vous voyez donc comme quoi, même les petits, ça porte bien le tir. Alors voilà, bien, notre petit mâle sanglier est découpé. Voilà. Donc c'est un engin qui faisait entre 25 et 30 kg, donc un sanglier de l'année. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais faire du social. Je vais faire du social et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que à Bordeaux, dans mon métier, j'ai la métropole bordelaise, j'ai un partenaire technicien qui malheureusement est un travailleur pauvre. Il a une famille de 5 enfants, il a une femme qui est lourdement malade et qui ne peut pas travailler. Donc, chez eux, malheureusement, les fins de mois commencent le 5 de chaque mois. Voilà. Donc, il va y avoir une moitié de sanglier qui va lui être portée demain. Et puis, comme ça, toute la petite famille pourra manger, et sachant qu'ils en sont à peser la nourriture. Voilà, donc des gens comme lui, malheureusement, il y en a de plus en plus. J'en rencontre de plus en plus sur Bordeaux. Et ça commence à devenir un drame. C'est-à-dire qu'autrefois, on ne les voyait pas, maintenant on les voit. Donc moi, ça me touche directement. Donc je vais lui en faire cadeau. Et comme ça, toute la petite famille pourra manger à sa faim. Ils n'auront pas besoin d'aller chez le boucher charcutier. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils y vont. Mais je pense que ça devrait leur faire plaisir. Voilà. L'autre partie partira directement, comment dirais-je, pour faire du saucisson. On va tenter. J'ai goûté le saucisson de sanglier récemment. Et on va tenter d'en faire du saucisson. Voilà. Allez, comme quoi, vous voyez, la chasse au Mirador, c'est payant. Allez, à très bientôt sur Palompoivre.